L'amor i la guerra, la sal de la terra. Être Dieu qui n'est pas une blasphème, mais au contraire, cette possibilité de que vraiment Dieu forme part de notre moindre substance, pas seulement animique, mais même matérielle. Ils argentent la route qui mène de Rouen à Paris. La Normandie ne sera plus jamais celle de Guillaume le Conquérant et de Jacques. Une roturie dans une crise de dépression a gobé le meilleur plongeur sous-marin de la Baltique. Alors qu'il cherchait le soutien gorge de la reine de Saba dans les bases d'un bateau éthiopien. Madame Vincent Crick de la Rique de Winnipeg dans l'état de Iowa a donné le jour au mari de sa voisine, Madame Patricia Princess Crick de la Rique. La mère et le nouveau-né sont en parfaite santé et redressent fièrement leurs quatre têtes souriantes. Je demande au secrétaire général des Nations Unies qu'Auguste Comte et Marilyn Monroe soient proclamés roi et reine universelle en exil. Et que dans toutes les discothèques et librairies de gauche,
il leur soit rendu les honneurs réservés à l'ange consort. Quant à Mao, je rappelle qu'en 1960, j'ai prédit qu'il unirait un jour la Chine et les États-Unis pour la domination du monde. Bon, déjà, il mettait en cause les Nations Unies que le divin Dali, au moment de la révolution de mai, avait proposé qu'il devienne un bordel. Parce que c'est un endroit dédié uniquement à la nuit. J'ai proposé cette innovation à que l'unité des Nations devienne un endroit de plaisir. Et ici, il est nécessaire que je rappelle qu'à l'époque de Louis XIV, Ledoux, le plus grand architecte de cette période, avait fait une maison de plaisir, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement un bordel, avec les plans d'un phallus avec, dans lequel je crois que dans un des testicules habitait la concierge. Les plans existent et Ledoux, qui était un architecte glorieux, avait été freiné immédiatement par le bourgeoisisme naissant de la Révolution française, parce que la Révolution française n'est pas autre chose que le passage de l'aristocratie à la bourgeoisie. C'est l'apothéose du régime bourgeois. Et probablement, grâce à Marilyn Monroe et à Mao, il peut y avoir des nouvelles monarchies avec des ferments anarchiques. Dans un décor stylisé au milieu d'un brouhaha indescriptible, on voit un cœur, un corps de ballet, et Dali, qui peint une scène dominicale, tandis que Gala n'arrête pas de monter et de descendre par l'ascenseur. Le monde était un paradis destiné à être mystifié par l'homme. C'était dans la nature des choses. Au commencement, il y eut le Verbe et presque rien de plus. Ce fut déjà un miracle que du néant puisse sortir quelque chose.
Un ange s'adresse à Dali. Les girafes, tu dois les accepter, ô divin Dali. Tu les as peintes avec des coups démesurés, avec des coups en flamme, en flamme, en flamme. De leur corps, elles conservaient leur... Parce que dans l'anus de chaque girafe, comme que Dali est légèrement prudent et phénicien, il avait mis la précaution d'introduire des cartouches de dynamite. Et c'est pour ça que les Marx Brothers étaient tellement enchantés quand j'ai dit: regardez, dans la 5e avenue de New York, un troupeau galopant des girafes, et soudainement il commence à jouer boum, boum, des explosions, des girafes explosives, lesquelles déjà portaient le signe prémonitoire d'avoir le long cou en flamme. Dali, est-ce que tu aimes les girafes en flammes? Non. La girafe est un produit désastreux de l'imagination. Il faut la faire exploser par vous entier et laisser place vite pour la sole. La sole très blanche, très plate et très poilue, comme une empreinte de pas, une empreinte gelée. Moi, le luxe, c'est de construire des sols en hermine royale, substituer les yeux avec des petits rubis, et au lieu qu'ils soient dans la mer, qu'ils soient posés comme des enveloppes blanchissimes sur des tapis le plus oriental que possible. Dali refuse la création et 3500 millions d'êtres se retirent sous la tente pour discuter d'un nouveau compromis avec la réalité.
détruit les miroirs qui renvoyaient la sérénité redoutée. Pendant que les gens vont à la recherche d'un visage, il peint des passeports pour cosmonautes. Jeanne d'Arc éponge la sueur de Dali avec les restes de la chemise d'Anne de Bretagne. La chemise d'Anne de Bretagne flotte autour de la chambre à coucher de ma grand-mère. Et alors, évidemment, j'entends moi-même, en dessous de la fenêtre, qui vit. Skerbat. Boum, boum, posioli, posioli, escarbat, boum, boum, posioli dins del llum. Al cel replà de l'escala em trobo un frare caputxí. Maleït sigui aquell frare, la puta que el va parir. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. La fête de soi.
Thank you very much. Petite vieille très propre qui était ma grand-mère m'avait appris depuis ma plus tendre enfance ce que j'appelle aujourd'hui le code génétique. Et en catalan, ce code génétique, je ferme les yeux, je tâche de le visualiser et ça dit: Una polla chica pica pallerica que m'a torta i m'acrica va tenir sis polls. Xics pics pallerics que m'a torta i m'acrics si la polla no hagués sigut. Chica pica pallerica que m'a torta i m'acrica els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, camatorta i vaquerics. On entend le tumulte de 3500 millions d'êtres qui battent en retraite. La voix de l'ange intervient à nouveau en faveur de l'humanité égarée. Comment aurais-tu fait les hommes, Dali ? Leur terreur devant la mort te paraît donc tellement odieuse, leur peur tellement obscène, leur pardon tellement atone. We'll be right back.
l'accouchement, je le réserve d'après la méthode de Adam et de celle de Dieu, par parthénogenèse, bourgeonnement lent, de préférence par la cuisse ou par le côté. Les dieux naissent du muscle ou du cerveau. L'homme naît d'une caverne puante. C'est pourquoi le Christ naquit du dos de Marie. Comme un frère jumeau, il naquit lentement, avec une sole entrelacée dans les poils de sa barbe. Une sole blanche. Je parle pas de la Vierge, parce que ça, c'est un sujet
qui se trouve uniquement mêlé au poil géodésiaque des fantômes sous pied, décrit minutieusement dans le Pantagruel. Révélez-y un poil dans la soupe antidionysiaque et géodésiaque. Tous nous sommes nés par le tunnel horrible, vase immonde, puits mort creusé près du cloaque mou, triste sépulture des dards. Moi, j'aurais accordé aux hommes la même naissance que les dieux. Il y a un squelette derrière les choses. La structure du monde est une armoire cosmique. Toi, tu as une place et la lune une route. Les diables ont les cavernes et l'ange la fuite. La lluna, la pruna, vestida de sol, el pare la crida i la mare la vol.
était un paradis destiné à être mystifié par l'homme. C'était dans la nature des choses. Au commencement, il y eut le Verbe, et presque rien de plus. Ce fut déjà un miracle que du néant puisse naître quelque chose. S'accrochent à l'une, 300 200 Johnson s'accrochent à l'autre. La chaise. Butterfly. Connecticuté. Séparez les chaises et vous posséderez le ciel et la terre. Ouvrez les tiroirs du ciel et de la terre. Volez les secrets de la mémoire éternelle.
D'accord. Séparons le ciel de la terre, la lumière des ténèbres, l'homme de son origine, ainsi tout sera pour le mieux. Au revoir, je vais me reposer. Oh, dans ce cas, qu'on ne sépare pas ni l'une chose ni l'autre, et au contraire qu'on met de l'âge glue d'attraper les oiseaux les plus bisqueuses, pour que vraiment ce soit en pleine contradiction avec le texte. Quo vadis, quo vadis, quo vadis. Je vais faire la sieste. Dali se réveille. Il constate avec surprise que le monde s'étend au-delà des fenêtres de Porliga. Tesoro, ya te vas para no volver, que cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y has de luego desfilar 400 elefantes a orillas de la mar. Je vois la mer. Les éléphants sont pleins de sang, le sang des victimes de Jules de Ré, et tout à coup, Cadaqués. Et après, un bateau qui m'amène par le fleuve El Guadalquivir à Séville. Et alors Dali voit des maisons blanches, angéliques, et il dit: las esquinas de las calles son de papel y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas. Je fais la sieste. Je suis Dieu. Alors je n'ai nul besoin du nez, ni des yeux, ni des oreilles, ni du sexe, ni des jambes, ni des poumons. Je n'ai nul besoin des fleurs, ni de la mer, ni des hymnes, ni des corps, ni des chemins,
et non plus de l'air, mal peint par Fragonard. Quand je sens couler les monnaies d'or ou les dollars comme une divine diarrhée, je m'endors de la façon la plus angélique que mon organisme me permet. Ma mémoire est alors éternelle, comme dans un hologramme total que parcourrait ma perpétuelle résurrection dans un monde peint sans bruit et sans furie. La mémoire de celui qui dort est une montre molle et blanche comme un camembert frais gonflé d'immortalité. Dali, tu as effacé l'ordre de la création et tu es allé dormir en nous abandonnant la peur. Bête ! C'est une bête, la mère, qui t'a mise au monde. Mais... Monsieur Dali, quel est votre sentiment sur les aspects de la création auxquels vous n'avez pas jusqu'à présent fait allusion ? Au point de vue imagination, il faut dire que la création est nulle. L'unique chose qui est merveilleuse, c'est l'être humain. Et quand l'être humain est beau... Et quand cet être humain, en plus d'être beau, il a une âme angélique. Parce qu'alors, l'être humain approche à l'ange, que c'est le but ultime de toute notre énergie cosmique. Les saisons de l'année. No comment. Les étés. Les hivers. C'est une saison merveilleuse. Malgré que ma maison est aussi merveilleuse en hier, j'ai un appartement magnifique à l'hôtel San Reyes. Mais comme que el divino, que soy yo, soy muy exhibicionista, entonces resulta que, como para no pasar desapercibido, a pesar de mis bigotes, chalecos y todos los artefactos que llevo para distinguirme, aprovecho el que es Navidad para llevar una pequeña campanita, como llevan los Père Noël, con unas barbas. Y entonces, si alguien... No hace atención, toco clink, 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 clink. Entonces se giran y me piden un autógrafo. Entonces es la única manera, o sea, nadie se escapa. En ese periodo nadie se escapa. Y una cosa que es auténtica es que tuve que firmar un libro en Brentanos y entonces exigí que me trajeran un esturgeón de plata repleto de caviar. Y entonces yo iba vestido de Père Noël con una bolsa y la gente me echaba dólares. Yo firmaba el libro y comía caviar al mismo tiempo, que eso no he hecho nunca. Pedir limosna y comer caviar. La nuit et le jour. No comment. No comment. Les étoiles. Pipi. 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 Pipistrello. 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 Pipistrello, 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 pipistrello. Mais... Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Il y a mama la, mama la, mama la, mama la, mama la. Mireu si son putes les noies de Vic. Mireu si son putes les noies de Vic. Les unes amb les altres. Chiribiribiri, gori, gori, gori. S'hi fica en el dit. I alors hi ha les altres qui disen més ho són encara les de Tortellà, més ho són encara les de Tortellà, les unes amb les altres, xiribiribiri, gori, 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 se la fan llepar. S'il vous plaît, donnez-nous votre opinion sur les étoiles.
trou de cul. J'ai trouvé dans mon sommeil, au moment où la carrosse triomphale qui amène Gala à son château de Bourg, l'immortalité de l'âme dans ce tourbillon logarithmique qui est le trou du cul, et que les petits minuscules escargots de mer de la baie de Pobligat utilisent pour se renfermer totalement dans sa coquille et scientifiquement pouvoir vivre des milliers d'années sans besoin d'aucun métabolisme, sa nourriture dans un état d'hibernation totale. De même que l'ours, à l'approche de la saison hivernale, se bouche lui aussi le cul avec de la boue enduite d'excréments pour réduire son métabolisme au minimum, et au printemps, au moment des noces de Stravinsky, ressuscité comme Walt Disney. Et surtout une matière, une antimatière. L'univers. Annihilé, annihilé, je vous en prie. Ne faites pas de compliments. Annihilé. Le cube. Au lieu de cube, cocu. Vous voyez? Cocu, cube. Cube, cocu. La liberté. Jean-Jacques Rousseau, notre grand héros espagnol et martyr, José Antonio Primo de Rivera, avait dit, cet infâme personnage, ce funeste personnage qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, lequel il avait inventé le contrat social, qui consiste plus ou moins à prendre une petite boîte et que les gens mettent leur opinion pour décider si il faut faire une chose ou une autre, que c'est la chose la plus infâme, puisque la majorité des êtres humains sont la majorité des crétins, mais pas des crétins de bonne qualité, parce que moi j'aime les crétins bisqueux qui bavent ce que les rois d'Espagne avaient dans la cour, mais pas ceux de l'UNESCO, pas ceux de la télévision, pas ceux de la radio, etc. Alors évidemment, d'après Jean-Jacques Rousseau, c'est la majorité qui doit tout décider. En plus, cette majorité n'existe pas. Parce que vous savez très bien que dans le système américain, c'est tout décidé par des gens qui mangent des cigares et qui donnent des pourboires. Donc c'est la plus grande corruption. Tandis qu'un prince, il suffit d'être prince pour qu'il ait déjà pas besoin de mettre l'argent en Suisse, ni de faire des compagnies de télévision, ni de rien. Donc la plus grande garantie de corruption est de gluante et abominable équivoque, c'est la démocratie qui aplatit tout. C'est pour ça que José Antonio de Rivera s'était levé contre les principes démocratiques. Il avait instauré dans son cerveau des régimes qui, eux, garantissaient beaucoup plus la liberté de chaque individu, puisque dans une monarchie absolue, il y a place. C'est le roi qui garantit la diversité de ses contraires qui se trouvent en bas. Dali, peut-être êtes-vous allé un peu loin. Écoutez les protestations du peuple. Et Breton l'impie vient vous chercher.
Breton s'approche de la multitude. Il récite le passage du second manifeste surréaliste qui se rapporte à la liberté comme unique valeur digne d'émouvoir. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Qui n'a pas eu, au moins une fois, envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur, à sa place, toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur de canon. Liberté de parler, liberté de penser, liberté d'obéir, liberté de fuir. Oui, je suis catholique, apostolique romain et roumain, catholique. Apostolique, romain. Et en ce moment, je profite de l'occasion. Et ça, il faut que ce soit répété avec tous les tons et toutes les musiques. Je suis contre l'avortement. Parce que tant catholique, apostolique, général de Chardin et Scholinger et tout ça, on ne peut pas admettre qu'une chose aussi divine que le commencement d'une vie humaine puisse arbitrairement supprimer. Alors si on avait l'habitude de condamner à mort ceux qui se permettent arbitrairement de condamner les morts aux autres, il y aurait beaucoup moins d'avortements. Les protestations augmentent. Un prédicateur envenime encore les choses. Les traîtres méritent d'être découverts, ne serait-ce que par respect pour leur intelligence. Sur eux, il faut d'abord tirer à la tête, puis au cœur, ensuite aux yeux, pour qu'ils ne puissent plus jamais se récupérer dans un miroir. Yalla voyem, yalla voyem, yalla voyem, yalla voyem. Et on n'a pas fini le voyage. Je veux que je vais dire yalla voyem. Parcourt le monde en lançant des éclats de rire spécialement écrits par Jean Cocteau. Dali peint Saint-Louis, roi de France, sur la peau de Francesca Bertini, Pina Minnecamini et d'autres. Pendant qu'un groupe de musique pop chante la stupide histoire d'une demoiselle qui a cessé de l'être au cours d'un changement d'autobus. Quand j'étais petit, je voulais être une jeune fille. Quand on renonce à son propre sexe, c'est qu'on a des tendances angélique.
ustedes. Mustik, estatistika. Sputnik, expliqué. Petit verre, astico, estatistika. Sputnik, astiqué. D'astico, estatistika. Sputnik, astiqué. D'astico, estatistika. Sputnik, astiqué. D'astico. Statistique, Sputnik, astiqué. Statistique. Les filles, vite, à la maison, l'apocalypse approche. L'holographie consiste dans l'obtention et manipulation grâce au rayon laser de l'informatique des objets, lesquels, sur une émulsion photographique, produisent des interférences d'information, lesquels, une fois restitués d'une façon adéquate, produisent une image virtuelle, mais totalement pas stéréoscopique, mais en troisième dimension, de façon que dans un hologramme cylindrique, vous voyez au centre d'une pièce un personnage, vous tournez autour et vous voyez les oreilles, pas celles de le pauvre Getty, puisqu'on lui a coupé, mais si on a les oreilles, on voit les deux oreilles de tous les côtés, et vous vous penchez par terre, vous voyez les narines, vous prenez un hélicoptère et vous voyez le haut de la tête. Un hologramme dans une bouteille d'eau minérale. Je la vois. Cet hologramme représente ma femme aimée Gala souriante. Et en ce moment, dans mes viscères, chaque molécule d'hologramme contient une image souriante de Gala. Le docteur Gabor a découvert le visage de la mémoire en remplissant de liquide les canaux du cerveau. Cette opération nous laisse sans passé, sans présent, sans futur. Je ne peux dire qu'une chose lorsque je regarde ma mémoire et la vôtre dans un hologramme immense. Tina, allez vous faire foutre. Cher camarade, allez vous faire foutre. Foutre. Démocratiquement.
Les chutes du Niagara ont envahi le Vatican à 3h45, heure de Washington. Chez quoi ? Fort, 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 fort. Cardinaux se transforme en poisson des abysses. Dali, sur une sole immense. Il est vêtu de blanc. Ses rêves sont blancs également. Le sommeil de Dali, ce peuple des corps et des couleurs de l'apothéose. Panses e figas e mel e olivas, panses e figas e mel e matou. Thank you.
Onassis, suivi de 7000 serviteurs et d'1 million d'éléphants blancs. Onassis. Dali. Onassis. Fait des fumigations sur la cour de Pharaon avec un pulvérisateur. Il y va, il y va, il y va, il y va. Gaudi fait des fumigations sur Onassis et sa suite avec le parfum Coco Chanel numéro 5. Le cadavre de Breton lui crie « Abida Tolars !» Alors ce chignon, il était là-bas. Il avait exactement le Breton là qui était mon maître, qui rentrait, qui sortait, mais toujours avec la chose expectante de Catherine Hugot, de Catherine Deneuve, enfin de tous les amis charmants qui étaient assis autour, et jamais aucun signe de syphilis héréditaire, malgré des mèches de cheveux blancs. Operculum. Breton veut emmener Dali aux enfers. Mégala le sauve en faisant le signe de croix. Mais je ne sais pas très bien si c'est Gala, si c'est Anne de Bretagne, ou bien Greta Garbo déguisée en Moby Dick. Provoque le suicide des oiseaux et des poissons. Les corps des oiseaux s'écrasent sur les terres. Les corps des poissons éclatent en montant vers les nuages. 3500 millions d'êtres dansent dans une orgie en bleu et rouge sur 300 000 parkings abandonnés et recouverts d'oxyde de carbone.
I sing in the rain, I sing in the rain, da-da-dee-da-da-dee-da. Dans son rêve, Dali assiste au striptease de Catherine de Russie et de Mona Lisa. Il se cache les yeux devant la nudité de la reine. Non. Non, je me bats. Non, la reine. Rien. Non. Vive la reine. Non. La reine, non. Jamais je ne veux que personne soit plus Dali que Dali. Le striptease d'Alexandre le Grand. De Johnson Del Monino. De Johnson de Washington. Brigitte Bardot déguisée en artichaut. C'est la vie de L.A.J.O.Q. de Marcel Duchamp. Picasso, habillé en vieux centenaire, d'Anquetil, de Guillaume le Conquérant, de Zoroastre et Confucius, hyper réalisme sybaritique. Et en plus de notaire, donc partisan de la légitimité, l'unique striptease que j'accepterai, ça serait en présence des notaires. C'est-à-dire, il faudrait que le striptease dure un quart de seconde, le temps d'un flash. On préparerait soigneusement pendant des mois
les poses les plus troublantes avec des êtres reconnus par le notaire vierge. Sans cela, aucun intérêt de savoir que c'est des gens qui en ont eu l'habitude. Ces stripteaseurs ou stripteaseurs, ils seraient vierges et garantis que ce serait la première fois qu'ils se montrent complètement nus. La salle serait totalement dans le noir. Et les positions tellement alambiquées que pendant le quart de seconde que le flash illuminerait la scène, personne ne pourrait rien voir. C'est-à-dire serait une instantanée libidineuse, impossible à reconstruire, ce qui créerait dans le cerveau de chacun des fausses hypothèses. Mais ils auraient la garantie notariale de que ces êtres faisaient ça pour la première fois, ils étaient vierges et leur position troublante avait été soigneusement et jésuitiquement préparée par le cerveau du pervers polymorphe Salvador Dalí. Silence symptomatique du cocu. Silence symptomatique du cocu. Malabranche. Détruit notre confiance. Il nous réveille en pleine chute vers les laves endormies de vieux volcans où nous aurons la preuve que jamais nous n'avons été des Superman.
Messieurs, faites le jeu. $3 500 millions d'êtres s'agglomèrent autour de la crique lagunaire de Port-Ligat, où flottent des signes pourpres, érotico-mythologiques. Dali peint sur les roches le grand tableau de l'horizon.
envoie l'ange pour parler à Dali, pour lui demander de peindre à nouveau l'ordre. Celui de la mer. Celui de la mer. Celui des ténèbres et de la lumière. Celui des ténèbres et de la lumière. Celui des fleurs et de l'air. Celui des fleurs et de l'air. Celui des sentiers de l'espace. Celui des sentiers de l'espace. Celui de l'origine de l'homme. Celui de l'origine de l'homme. Pourquoi peins-tu si peu de fleurs et pourquoi les peins-tu si petites? Le goût angélique, c'est pour les fleurs entièrement sans couleur, blanches, puisque le blanc contient de lui-même, comme dans les tableaux de Vermeer, toutes les couleurs. Au mur blanc de Vermeer est irisé comme une perle, laquelle n'a pas de couleur, mais qui se prête par son structure de réseau de moiré à iriser la lumière et la faire surir comme la mort, parce qu'il fait naître dans cette espèce de boule, que c'est comme une espèce de tête de mort de la perle, les spectres le plus effrayant, que c'est celui de l'irisation instantanée de la vie, que c'est l'instantanéité même de la lumière. Mais à ce moment, je me souviens de ces oiseaux blancs que Pline avait décrits, des oiseaux blancs qui possédaient une seule aile. Et alors, pour voler, ils avaient besoin de se mettre leur poitrine l'un contre l'autre très serré, et chacun bougeant son aile pouvaient voler comme des anges. Vert, je te veux vert, vert, vert. Blanc, je te veux blanc, blanc, blanc. Le cheval sur la montagne et la barque sur la mer, sur la mer, sur la mer. Vénus, Aphrodite, née dans l'île de Crète. Et Aphrodite est pleine de froid et naissant de l'écume de mer, on entend claquer les dents à cause de la chair de poule virginale qui la découvre tout entière, son corps nu. Et ceux qui assistent à la naissance de Vénus prennent des coquilles et ils accentuent avec la percussion des coquilles le claquement des dents d'Aphrodite. Et à ce moment-ci, le mythe passe de l'île de Crète à l'Espagne et ces coquilles que dans la tradition après de la naissance de Vénus, on les avait fait en terre cuite, quand ça devenait liturgique. En Espagne, on les fait en bois. Et c'est pour ça que les castagnettes, en espagnol, ça s'appelle crótalos, ce qui veut dire ce qui vient de Crète.
Donc quand vous voyez les danseurs espagnols avec les castagnettes, ce bruit n'est pas autre que le claquement des dents primitives d'Aphrodite à sa naissance, quand il avait été recouvert par la première congénitale chair de poule. Et à ce moment, la voie lactée, qui est la plus érogène de toutes, que c'est la voie d'une mamelle d'une déesse qui sème le ciel, qui asperge le ciel de lait, cette voie lactée qui sera la loi, ne s'appelle plus la voie lactée, ça s'appelle el camino de Santiago. Le cheval au fond de la mer et la barque sur la montagne. La matière est la caricature de la mort. La mort est la caricature de la vie. Le premier jour, j'aurais détruit les girafes. Le second, j'aurais changé les fleurs en sol. Pour que les jasmins aient la blancheur de la sole. Même si ce n'était qu'une sole nue et rasée comme Greta Garbo. Au fond de l'eau, plonge l'ermite. Ma jouée brisée durant la nuit de noces. Ne me passe la gueule, ne me passe la gueule, ne me passe qui le monde. Et les rondelles et les rondelles de vierges dans leur vinaigre, 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 vinaigre.
vinaigre, vinaigre, vinaigre. Mais si tu étais Dieu, tu ne serais pas Dali. Oh.
Colère de l'ange. Il arrache 5 millions de tableaux religieux de leur support, les colonnes de Persépolis. Il dévie le cours du Gange et du Llobregat. Ses mains lancent des rayons jupitériens. Il rugit. Mesquine troupe d'animaux stupides. Admire les assassins qui ne demandent pas pardon. Gilles de Rais, le vénérable, a tué 300 enfants de ses propres mains. Et 300 pères de famille l'ont pardonné. Vous autres, vous ne pardonnez pas à Manson parce que vous avez eu peur devant sa main d'assassin médiocre, d'un assassin démocrate, inférieur et triste. D'un assassin à la recherche de hurlements pour un hit parade. Quittez le temple de la vie, marchand de larmes et de déodorants. Je trouve très noble le repentir, puisque Jules de Rais, après avoir fait toute sa campagne avec la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, il se livre à tous les débauches. Il tue tous ses enfants. Il demande pardon à personne sur la terre, mais il se repentit devant Dieu. À un tel point son repentir sincère que les propres pères des victimes font des processions demandant qu'on ne le brûle pas. Et lui, il demande d'être brûlé. Donc ça, c'est un être merveilleux parce que c'est comme un sandwich. C'est comme un hamburger, c'est-à-dire. Il commence par le ciel. Au milieu, il y a le côté saignant, plus ou moins, d'une boutifarra catalane. Et après, de nouveau, le ciel, le pain nuit blanchissime. Donc, pour le même prix, vous avez le ciel, l'enfer au milieu et de nouveau le ciel. Donc ça, c'est quelqu'un qui a eu un courage moral total et qui l'a connu tout ce que pouvait être connu sur la terre. Officielle
entendu crier d'une voix puissante « Vive le roi !» Attendez un instant. Personne, jamais, ne lui a demandé des comptes. Parce qu'il ne parlait pas le langage d'Ulysse, jamais il n'est revenu d'aucune île. Jamais il n'a regretté le parfum de Pénélope. Jamais il n'a demandé une place sur la carte. Sa patrie fut un zoo d'animaux pieux et d'insectes flambés par un maître eunuque. De sa mémoire chevelure, où circulent des trains de banlieue noyés, il extrait les mains de cire, les lentes caresses des mères englouties, le coup de poing à l'âme des pères stupides. Et entre les quatre pattes de fuite impossible qui soutiennent le toit du monde, de son monde, de ce monde, jamais il n'a demandé qu'on honora ses morts. Vous lui avez donné l'argent dont vous n'aviez pas besoin. Sa richesse n'a pas empêché votre richesse. Son pouvoir n'a pas empêché votre pouvoir. Sa richesse ni son pouvoir n'ont amené la faim sur la terre ni la mort du faible. De sa calligraphie, il a écrit son histoire. Et avec son orgueil, il vous a fait rire. Parce que jamais vous n'avez cru en son mépris. Vous préfériez aller au cirque plutôt qu'au peloton d'exécution. En fin de compte, il ne vous doit rien. Et vous lui devez 100 000 lieues d'imagination inutile. Il a couché avec vos tortues légères. Il a parlé avec les plus savants rhinocéros. Il a proclamé la monarchie de la laitue. Il vend des folies à 1 000 000 le pouce. Les dieux de la douleur et de l'argent les lui achètent. Et il dort, éveillé, aux pieds de Gala. Il contemple le firmament de ses chairs mauves. Thank you.
se repent de son orgueil. Il lance des pièces d'un demi-dollar à la foule. Dali lance des tableaux sur la grande place. La foule les détruit. Chacun garde pour lui un des objets représentés sur les tableaux. Il y a des luttes autour d'objets ambigus, bifonctionnels. Merde sèche. Pierre dure. Mamelle. Crachoir. Molécule infirme. Merde. Placard. Tasse, odeur de regard sodomisé, demi-tasse portugaise, effleurée, tasse, entourée comme un emprunt et surmontée d'une visière de Lénine, couille nous non.
Après la tempête vient le calme. C'est certain, si j'étais Dieu, je ne serais pas Dali. Et si je n'étais pas Dali, je serais Gala. Gala, tu es la femme anti-musicale. Tu es la femme visible. Gala apparaît tout en haut d'un escalier en technicolore,
telle qu'on en voyait dans les mélodies de Broadway en 1956. Elle tend une main rédemptrice vers Dali. Il monte les marches d'une foulée stylisée. À la répression des libertés. Pour les hommes, le devoir sublime de mourir pour la patrie. Pour moi, un univers convergent, concave et envers Gala, la volupté suprême d'être un esclave appelé Salvador Dali. Donc, vive les pieuvres, vive Bellini, Ava Wagner, bravo pour Dali et bravo pour Gala. Triste risque que d'être plus que personne bien payé, si le poids de l'attentat contre la logique est contrôlé. Triste risque que d'être plus que personne bien payé.